Allez, soufflez. T'es mal, Yeb de la daronne, wesh. Bon, bref, tout a commencé le 19 février 2004. C'est comme ça que je suis arrivé au monde. Différent. À l'école, ça n'a pas été facile, voire très compliqué. Je vous mens pas, c'était pas marrant. Paradoxalement, ça a suscité de l'attention autour de moi. Ce qui était au départ ma faiblesse, c'est devenu ma force. J'ai commencé à écrire, je suis parti au studio, et un jour, les efforts, ils ont payé. Concert, choqué, festival, planète rap, apparition partout. Single d'or, platine, disque d'or, année incroyable. Big Star. Mais vas-y, il y a toujours ce truc avec moi à la cagoule. Je me pose une question. Qu'est-ce qui se passe si je l'enlève? Enlève pas ça, le con, va. Allez, tiens, pub. Hey, salut! C'est Kevino. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais j'ai une marque de pizza. La pizza della mama. Incroyable! À partir de ce moment-là, tout a changé. Tu connais? Je regarde ce qui se passe un peu autour de moi. Je vois un poteau, il a ses lunettes, il a une cagoule, un bébé cagoulé, un cycliste cagoulé, un SDF cagoulé. Il y avait même Inox cagoulé. Wesh, frérot, ça va ou quoi? Mais c'est pas toi, t'arrives quoi, gros mec? On s'en fout de ça. Mais t'es un ouf. Tu vois, avec ça? Frère, tu connais, j'ai rentré, je monte l'Everest, moi. T'es bon. Mais Romé, frère, c'est un poil. T'inquiète. T'es sûr? Vas-y, on s'attrape là-haut, frère. Je crois vraiment que tout le monde est cagoulé. Gros, guette les keufs, le mec qui vend le journal dans le métro, des mariages. Même le Big Morgan, t'as l'UFC, gros, il était cagoulé, c'était n'importe quoi. Y avait tout le monde qui était cagoulé, je comprenais pas ce qui se passait. Au final, j'ai vu ce que là, j'ai vendu des cagoules, je me suis dit, elle allait me faire une réduction. C'est sûr, elle va me faire une réduction. Maintenant, story de ouf, je me fais ses cours, bon. Allez, tiens, toi, laisse-moi passer, pousse-toi. Éboueur, à côté. Oh, pardon, excusez-moi. Wesh, c'est quoi, c'est un poteau, une barre de frisbee? Tu vas pas voir mon visage, cousin? Je cours encore. J'arrive devant un bat. Je me dis, je suis rétro, ce mage. Je rentre. Pièce noire. Moi, une cagoule. Face à face. Comme dans les films. Ça veut dire, je me dis, Belek. Thomas annonce la saison 2, t'as capté? Nouveau projet, nouvelle. Foule tout dans mais le monde. Non. Mais du coup, tu vas inviter qui pour les feats? Tu vas faire comment pour l'annoncer? J'ai fait des feats de fou. Ziak, Dinos, Oudi, RN Boy, Gambi. Incroyable. Je connais, j'ai trouvé un bon moyen. C'est bien. Vas-y, toi, tu parles beaucoup. Non, mais où? Mais non. Ah, j'en suis fou. J'ai oublié de te montrer la cover. Tiens, Théma. Je suis stylé, hein. Bref, les gars, le 12 janvier, saison 2 totalement disponible. La précommande, juste après la vidéo. www.karchak9p.com. Mixtape à consommer sans modération. D'ailleurs, gros bisous au frérot Argo. Vous avez pas vu la vidéo de fou qu'on vient de faire là? Bisous.